Les fragments de la Triforce se réveillent. Ils fusionnent une fois de plus. Il y a 7 ans, 2 fragments ont échappé à mon contrôle. Comment ont-ils pu arriver entre vos mains? Quoi qu'il en soit, les fragments vont enfin s'unir en ce lieu. Pauvre insecte, cette puissance n'est pas pour vous. Je vous ordonne de me les rendre. Link, je ne peux pas t'aider. L'énergie noire m'empêche d'approcher. Pardonne-moi, Link. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mandati et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final de notre Let's Play sur Zelda Ocarina of Time. Enfin, nous y sommes. Alors, pour commencer, on va utiliser les flèches de lumière contre lui parce que c'est ce qu'il craint. Le dernier épisode a eu un petit problème, je m'en excuse fortement, mais maintenant on va se concentrer sur le boss. Et on va... Aïe. Je me suis fail. Je vais juste baisser un tout petit peu le son. Voilà. Et on va devoir jouer comme avec son sosie, son ombre, son pantin. Ah putain, je me rappelais pas que c'était aussi dur sur Nintendo 64. C'est pas grave. C'est pas possible. Je n'ai jamais autant galéré. C'est pas grave. Je vous rappelle qu'on a des fées. Donc. Ah non, vas-y là. C'est pas grave. Alors, je vais me concentrer un tout petit peu. Donc, je risquerai pas de faire de bruit. Allez, hop, c'est parti. C'est pas grave. C'est absolument pas grave. Faut que j'arrive à trouver juste le bon timing. On va changer de côté. Attendez, peut-être qu'en commentant j'y arriverai mieux. Voilà, donc... Non ! Ah, je l'ai eu très peu de fois. C'est pas très bon, ça. Ah, d'habitude, je me fail pas à ça. Bon, c'est pas grave. Normalement, on devrait l'avoir après. Ah, j'étais trop proche. On va reculer peut-être encore un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. On se met bien face à lui. Il veut absolument avoir la Triforce, je ne lui donnerai pas. Ok. J'ai réussi à la revoir. Hop. Allez. Ah. C'est parti. J'espère que... qu'il va le sentir passer mon épée. Parce que j'ai l'épée de légende en moi. Elle a du mal à se réveiller pour le moment, mais c'est pas grave. On lui fait masse dégâts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on a la Triforce en nous. Allez. Allez. C'est fini. Un boss épique. Terminé. Quoi? Le grand Ganondorf vaincu par ce gamin?
Le truc vert qu'il a craché, c'est du vomi, je précise. Link. Je précise parce que peu de gens le savent que c'est ça. Je crois même qu'au Japon, c'est rouge. Il crache du sang, en fait. Le château s'effondre. Imaginez si j'avais pas les cœurs renforcés, je serais déjà mort, mais à mon avis, c'est l'ambiance qui fait ça. Il s'est suicidé pour nous tuer, vous allez vite comprendre pourquoi. Ah, ce combat quoi, c'est la première fois que je ressens. Non, c'est une des premières fois, je veux dire, plutôt une des premières fois que je ressens une ambiance pareille. Mais je pense que c'est le fait que je sois en vidéo et que j'ai envie de vous partager le plaisir que j'ai à ce jeu. Misérable Ganondorf. Sans un esprit sain et fort, il ne put maîtriser la puissance des dieux. Et il se suicide pour faire écrouler son château. Ou sa tour. À vous de voir ce que vous préférez dire. Link, écoute-moi, la tour va s'effondrer. De son dernier souffle de haine, Ganon tente de nous écraser sous les ruines de cette tour. Dépêchons-nous. Suis-moi vite. C'est sur cette scène-là que le record du monde a été battu du speedrun d'Ocarina of Time. Bien entendu, je ne fais pas un speedrun, mais c'était pour préciser. Alors, on doit descendre le plus vite possible. Aïe. Oh non, t'es pas sérieux. Oh, et on a récupéré tous nos cœurs. Allô. On y va. Donc, on a besoin de Zelda pour ouvrir les portes. Donc, passons. Oh putain, c'est vrai. Faut que, ouais voilà, faut qu'elle nous détecte pour passer. Si elle nous détecte pas, ça marche pas, voilà. Donc on va vite passer. C'est parti. Hop. On y va. Ah, quelle ambiance. Je me rappelais pas que sur Nintendo 64 on ressentait ça. Ouh là là. Il reste un petit peu plus de 2 minutes. C'est parti Zelda. Oulala. Là là. J'ai eu chaud. Allez. Petit RAM. Heureusement que ça arrive pendant un temps de chargement. Vous allez voir. Bizarre. Normalement, Ganondorf peut faire apparaître ses ennemis que quand il... Enfin, c'est lui qui les fait apparaître. Il a dû les faire apparaître avant de mourir. Un petit ralenti pour le plaisir. Allez, j'ai pas tout mon temps. Je pense que tu peux comprendre. Merci Link. On récupère tout ça. On remet notre épée. Comme ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi je remets l'épée, c'est pour finir le jeu avec une épée digne du jeu. Allez, il nous reste que une salle, deux salles à passer. Et aucun couloir extérieur. Si, un petit couloir extérieur, vous verrez. Alors, ouais. Viens vite. Voilà. Vous allez voir,
C'est parti. Hop, allez, viens. Faut esquiver les boules. Non, Zelda, t'arrête pas. Viens. J'aimerais éviter le monstre qu'on va croiser juste là. Non, 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 non. Non, laisse-nous. Le temps défile. Petit Ram qui vient de je ne sais où, mais il y en a de temps en temps, c'est normal. Ça charge beaucoup de choses. Viens, vas-y, passe. Allez, 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 allez. Oui, je sais, ça s'effondre. Allez, viens. Il y a large le temps pour le faire, je vous rassure. Comme à l'époque, c'est tellement bien fait. Oh là là, pour l'époque, vraiment, les gens. C'est terminé. Enfin. Link, pardonne-moi. Je n'ai pas pu t'aider. Eh oui. Je vous avais dit. Ganondorf nous cachait quelque chose, que les ennemis ne pouvaient pas apparaître tant qu'il était mort. C'est qu'il est encore vivant. Est-ce que Ganondorf veut absolument, grâce à sa haine, il va pouvoir l'avoir? Il va utiliser sa Triforce pour montrer sa vraie forme. La véritable forme de Ganondorf. Ganondorf n'est qu'un pantin, le véritable monstre, c'est Ganon. Et là, cette fois-ci, je ne fuirai pas. Nous combattrons ensemble. C'est parti. Dans un premier temps, regardez ces yeux jaunes là. On n'a plus l'épée de légende, alors... Regardez. Fait mal. Je ne vois pas grand chose. Allez, hop.
On t'a affaibli. Tu ne peux pas mourir de cette arme. Parce que même si elle est hyper puissante, tu ne pourras pas... Enfin, il peut pas mourir de cette arme, tout simplement. Hop. On récupère l'épée de légende. Et là, je vais vous montrer comment on est censé le battre. Vous allez voir. Alors, soit vous faites comme je faisais tout à l'heure avec l'épée, ou soit vous faites bim. Et... Wow. Mange-toi ça. Hop, 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 et hop. Oh. Et tu comprends pas trop ce qui t'arrive, hein, n'est-ce pas? Mes pouvoirs paralysent Ganon. Utilise l'épée et porte-lui le coup de grâce. Eh oui. L'épée est entièrement à nous. Elle nous obéit comme on le veut. Adieu. Maintenant, ancien créateur d'Hyrule, ouvrez le sceau dimensionnel et renvoyez l'incarnation du malin dans le vide infernal. Sois maudit, maudite Zelda, peste soit des sages, peste soit des sages, je te maudis Link, un jour ce sceau se brisera et je tuerai de mes mains tes descendants. N'oublie pas, le fragment de la Triforce est toujours en ma possession. Ah, c'est vrai. Ah.
ça fait bizarre. Ça fait... Je vous avoue que j'ai une petite larme aux yeux. Mais je vais vous expliquer après pourquoi. Merci Link. Grâce à toi, Ganondorf est prisonnier du royaume infernal. La paix et la justice vont à nouveau régner sur ce monde et pour longtemps. Je suis responsable de tous les maux, d'Hyrule. J'étais si jeune d'ignorer que le contrôle du Saint-Royaume pouvait entraîner tant de troubles. Je t'ai fait prendre beaucoup de risques. Il est temps pour moi de réparer mes erreurs. Laisse derrière toi l'épée de légende et scelle les portes du temps. Mais en faisant cela, les chemins du temps seront à jamais fermés. Link, rends-moi l'ocarina. En tant que sage, je peux te renvoyer dans ton temps. Quand la paix reviendra en Hyrule, il sera temps de nous dire adieu. Rentre chez toi, Link. Retourne à ton époque. Ta maison, là est ta place, là est ton temps. Et voilà. Merci Link. Adieu. Oh, adieu à ce Link là, bien entendu. Mais nous, on va pas lui dire adieu tout de suite. Voilà, donc je pose la manette. Voilà. Je m'avance, parce que je m'étais un petit peu reculé de mon écran pour pouvoir jouer comme il faut. Et je m'installe. Beaucoup de choses à vous dire. Mais ça va sortir du cœur tout le long. Déjà, enfin, j'ai envie de vous dire, enfin on termine ce let's play après un an et demi. On en aurait eu des problèmes. Hein. Entre temps, j'ai mûri sur ce let's play. Enfin, entre temps, non, pas grâce à ce let's play, mais si grâce à YouTube, j'ai mûri sur beaucoup de choses. Ocarina of Time, ça a été mon premier let's play. Et au bout d'un an et demi, les amis, rendez-vous bien compte qu'on le termine. Ma voix a changé, mon style de montage a changé, ma manière de parler a changé. Si vous vous rappelez, l'épisode 1, je ne parlais pas beaucoup. Parce que c'était la première vidéo que je faisais. Et oui, c'était la première, parce que c'est la seconde que j'ai fait, c'est la première qui a été postée, et la seconde que j'ai faite qui a été postée, et la première que j'ai tournée. C'est je pense que vous m'avez compris, mais voilà, donc ça fait un petit moment qu'on est sur ce let's play, fallait bien le finir un jour. Je le faisais traîner parce que je me suis dit, ouais, mais si je le quitte, ça va me faire bizarre et tout ça. Je l'ai laissé traîner en changeant un petit peu de choses. À l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai toujours pas diffusé l'avant-dernier épisode qui sort normalement aujourd'hui. On a galéré quelquefois sur ce jeu, je dois l'admettre. Sans aucun game over à noter. C'est rare d'habitude dans les jeux que j'ai des game over. Pour l'instant, dans tous les jeux que j'ai fait, il y en a qu'un seul, je crois, auquel j'ai eu un game over, c'est dans Mario & Luigi Superstar Saga.
Mais on a le droit de me pardonner étant donné que c'est un jeu que je n'ai jamais joué. Enfin, j'avais joué une ou deux fois, mais jamais pour le terminer. Voilà. Donc vous inquiétez pas, on n'a pas fini avec Zelda, et encore du Zelda, il y en a qui vont dire, mais oui, mais Zelda est ma licence préférée, c'est avec ça que j'ai commencé YouTube. Et si je dois terminer ma chaîne YouTube, ce sera forcément avec un Zelda, je pense. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on se retrouve dans Majora's Mask, qui arrivera plus tard, je vous le dis. Je voulais le commencer tout de suite après, mais je me suis dit, on va éviter. Avant, j'aimerais au moins arriver épisode 20 avec Mario et Luigi Superstar Saga. Ce qui va remplacer les let's play, donc ce let's play là. Normalement, c'est Majora's Mask, mais vu que j'ai envie de faire un petit peu traîner, il y a une série Minecraft qui va arriver bientôt. Donc il y aura une série Minecraft normale et une autre série à côté qui va remplacer let's play. Donc voilà. Mais sinon, dites-vous bien que le prochain let's play, parce que je dis que ça remplace un let's play, mais ça va pas vraiment le remplacer, c'est juste une attente, et pour vous faire patienter. C'est surtout ça qui va servir la série Minecraft. Mais sinon, le let's play, dites-vous bien que c'est Majora's Mask, et je vais pas le commencer tout de suite. Voilà. Je sais que vous êtes peu sur ma chaîne à regarder ce let's play, mais j'ai 2-3 de mes amis qui le regardent, qui regardent chaque épisode. Alors j'ai un ami, il me dit t'es un monstre en vidéo, tu fais trop de vidéos, j'arrive pas à suivre, mais je crois qu'il est à peu près à l'épisode 30 ou à peu près comme ça. Donc je vais faire une dédicace à lui qui est Papa Creeper, donc je te fais une dédicace à toi. Je fais une dédicace aussi à Foxcat qui m'aura donné quelques petits conseils. Et une dernière dédicace collective pour les 50 abonnés qu'on a dépassé maintenant. Je vous remercie, vous mes abonnés, à regarder mes vidéos et ça me fait extrêmement plaisir. Dernière petite chose, j'espère que la petite introduction du début vous aura plu. Donc pour le coup, en haut à droite, il n'y aura pas de mon petit logo, c'est normal, parce que c'est un dernier épisode et je n'ai pas envie de gâcher. Oh, petite fin buggée, mais c'est pas grave. Oui, donc je vous remercie mes abonnés pour avoir suivi ce let's play, ou même avoir, si vous avez lâché ou quoi, et ce qui me ferait énormément plaisir, c'est que vous soyez nombreux à suivre mon let's play sur Majora's Mask quand il commencera. J'essaierai d'être le plus présent possible, c'est pour ça que j'aimerais terminer Mario et Luigi le plus vite. Parce que c'est pas un jeu que je connais, et du coup je mets trop de temps à avancer dans les épisodes. Et voilà pourquoi je dure un peu, enfin bref. J'espère que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous parce que ça me ferait énormément plaisir. Et dans un prochain épisode, je risquerai sans doute de vous dire quelle est la surprise des 100 abonnés. Donc soyez actifs sur YouTube, vraiment. Allez. Ciao tout le monde, adieu sur ce let's play d'Ocarina of Time, merci Nintendo de m'avoir fait un jeu aussi merveilleux, et je vous dis ciao, et à la prochaine sur Majora's Mask.